avril 2021. L'atelier des Gualinos. Eh oui, le couvreur va venir faire des travaux du côté de la toiture. Eh bien, nous filmons donc l'atelier lui-même, l'entrée et l'arrivée chez Rose. Et oui, c'est la suite de notre atelier. Donc, nous y voici, nous y voilà. Et Patrick n'a pas l'air d'être très loin, on l'entend. Ah ben voilà, il nous fait un petit coucou. Juste devant lui, eh bien, tissé par les tissages de Charlieu, ce magnifique plaid extraordinaire que certains ont dans leur collection personnelle. Il nous en reste évidemment quelques exemplaires disponibles. Et puis des œuvres, tiens, un tableau en noir et blanc, des œuvres qui jouent sur le textile également, avec ses lisières très colorées, des sculptures qui ne sont pas beaucoup sorties de l'atelier, sur la fenêtre également ce bateau en bois, plexi, et puis ah, l'ancêtre du paravent de Belmont en inox, quelques œuvres donc, qui a des toutes petites, des miniatures, des œuvres plus grandes, d'autres prêtes à repartir en exposition sous plastique. On est dans l'univers, le lieu où nous stockons l'atelier des Gualinos, dans toute sa splendeur. Et Patrick, toujours là, juste en face de ce que nous appelons le cafoutchou, l'endroit où nous stockons toutes sortes de trésors, là encore, dans ce cafoutchou, des sculptures en aluminium, une Vénus en aluminium, du verre, évidemment beaucoup de bois, c'est quand même la matière principale, y compris pour cette petite sculpture. Que dire d'autre? Eh bien, ici, des livres pièces uniques avec ce mot de passe, c'est amour toujours. Quelques chefs-d'œuvre, comme ce nounours en aluminium, qui est juste merveilleux. Et puis quelques autres animaux à grandes dents, des boîtes qui sont devenues pleines de trésors. Et oui, oh, on n'entend pas. Enfin, on voit, on entend, mais on ne voit pas. Une sculpture sur bronze. Voilà, quelques trésors dans ce cafoutchou. Et puis de l'autre côté, on va glisser progressivement vers notre bibliothèque, pourrait-on dire. Le lieu où nous stockons pas mal de livres, des ouvrages qui ont été lus beaucoup, beaucoup, puis d'autres qui sont découverts parfois, découverts à découvrir lors des futurs salons du livre, par exemple d'accordéon à Zampogna, ici, qui est sorti en plein confinement en 2020, juste au moment du confinement, et donc peu d'entre vous le connaissent pour l'instant, mais vous allez vous rattraper, bien sûr. Et puis, on a des bibliothèques. Ah, cette toile que j'aime particulièrement. C'est elle qui faisait l'affiche pour l'exposition de l'Athlète l'année dernière, en 2020. Et sauf qu'il y a eu le confinement. Et c'est une affiche fantôme, une toile qui finalement n'a jamais été vue en vrai pour l'instant. Je vous laisse en admirer tous les détails. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, eh bien, un original de l'abécédaire des animaux. Une bibliothèque. Nous parlions de bibliothèque. Ici sont accumulés tous les livres, tous les joyaux, tous les bonheurs. Avec, pour chaque livre, un petit morceau textile, une pièce qui a été ajoutée. Nous sommes ici dans la maison de Rose, une partie de notre atelier. Vous voyez qu'il y a des collages textiles, en plus de l'acrylique et des encres de Chine. Et puis, eh bien, des sculptures comme ce magnifique chat, quelques toiles importantes, évidemment. Des livres, toujours des livres, des livres, des livres du bonheur. Et, ah, mais voilà un livre unique, un livre dont les pages tournent. Un livre fait de tesselles de mosaïque. Voilà que Patrick fait tourner les pages. Presque le bonheur. Un feuillet, un crayon et des sons à foison. Les idées s'accumulent au tourniquet des années. Mes mots débordent du carnet. Bien trop petit.
Et là encore, dans notre paradis, des livres, toujours des livres et des tableaux et des sculptures comme le monde et notre maison. Comme ces miniatures posées devant un livre et puis, eh bien, tout simplement, ce bronze magnifique. Nous allons arrêter là pour le rez-de-chaussée chez Rose et puis il y aura une autre vidéo pour découvrir maintenant l'étage chez Rose. À bientôt les amis!